Salut tout le monde, bon retour et bienvenue sur la chaîne de Fire ainsi que sur Industry Giant 2. Nous continuons le challenge de la seule et unique ville, Nue Vitas. Et on commence la vidéo avec une taxe spéciale. Gouvernement sur le point d'introduire un nouvel impôt. Cet impôt touchera la production de tous les biens existants. Les coûts de production augmenteront de 50%. Tant donné qu'il s'agit d'une action exceptionnelle de la part du gouvernement, cet impôt ne sera valide que pendant 4 ans. Oh, seulement! On en a de la chance. Alors, je viens de voir qu'il y a usine moins 6. Quelle usine? Ah, la ferme. Ah, la ferme de coton. Oh non. Eh bien, je propose, puisque de toute façon, on passe en négatif, on va blinder ici. Et on va déplacer toute la prod de coton. Parce que c'est qu'une question de temps de toute façon. Oh, quoique. Non, on va faire. Alors, on va faire un entrepôt spécifique pour ça. Est-ce que c'est mieux le coton avant ou après? Avant, évidemment. C'était trop beau. Bon, bah si je pose genre comme ça, on accepte que le coton. Ah, puis ça me laisse de la place si jamais je supprime les fermes. Mmh. Habile. Allez, on supprime. Je vais toucher tout le monde. Voilà. Nickel. Super. Ok. Bah, je propose de faire un entrepôt qui touche ce terrain-là. Alors il se passe, toc. Et ils vont se charger de transporter tout le coton. Alors ça va pas être évident. Mais je suis sûr que c'est faisable. Comme la saison du coton. Dépression. En raison d'une activité commerciale ralentie, la demande diminue pour l'ensemble des produits. Préparez-vous à d'énormes réductions des cours. Enfin, des coûts au cours des prochaines années. Génial. C'est magnifique. Du coup, on peut laisser à une case le coton, vu que maintenant. L'approvisionnement est régulier. Ah, j'ai pas lancé le coton. Ah non, c'est joint en plus le coton. Fuck! Fuck, 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 fuck. À chaque fois que je lance en juillet, je me fais niquer un mois près, quoi. Ça, c'est typique de Fire, quoi. Oh mon dieu, il y a tellement de trucs qui se vendent malgré la dépression, quoi. Ici, ah mais cette boutique en fait, elle est trop baisée, quoi. Papier peint, popcorn. On va la supprimer. Vu qu'elle touche pas. Voilà. Elle touche pas l'entrepôt qu'il faut. Ah, ça fait super longtemps qu'elle est comme ça en plus. Alors, elle a trop de choses, mais on va mettre en pause. Alors, deux. Alors, on va mettre comme ça. Tant pis, ça fait supprimer des habitants, mais en vrai. J'aurai une meilleure couverture. Tac. On est à combien là? 61 000. Et voilà. Ben, on a accès au musée. Plus 46. Nom des dieux. Alors,
Qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant qu'on n'a pas fait faire les arbres de Noël? Ça tombe bien, il y a déjà la case en plus pour les arbres. Un endroit qui pousse bien pour les arbres de Noël, c'est pas génial génial dans le coin. Oh, quoique, 34. Ouais, en vrai, il y a pire. Alors, tout refuser sauf sapin. Tac, tac. Let's go. Ça, c'est fait. Production de vélo. Ah, on commence les produits de sport maintenant. Contreplaqué, c'est bon. Toujours pas de négatif. Les points de luxe vont faire la gueule à mon avis, parce que vu la dépression, bon, ce sera l'année prochaine que ça se fera sentir. Parce que je peux que baisser en fait. Je vois déjà des stocks de produits qui restent de mois en mois alors qu'ils disparaissaient systématiquement. Alors coton, je suis pas d'accord, on va cloner tout ça. Il faut vraiment que le coton se fait Instafumax. Prochaine récolte janvier. On n'a pas tout vidé. Ah, c'est loin à déplacer le coton. Très très loin à déplacer même. Pas assez rapide à être déplacé. Aluminium, batterie, bijouterie de mode. Oh là là ! Alors on va faire un train juste pour le coton, en vrai, parce que c'est très compliqué. Après, on peut tenter de booster à fond le truc. De toute façon, on va trop produire pour ce qu'on est censé. Mais comme la demande va augmenter, parce que là on est en dépression, donc on ne peut que avoir des surplus. C'est pour ça qu'il faut toujours construire en fonction de. Ah, j'ai 300 points. En fonction de ce que tu as. Ouais, voilà, croissance du chiffre d'affaires, baisser, usine, proximité des villes. Ah bon, où ça? Ah oui, bah oui, là celui je vais être. Oui, évidemment. Oui, parce que ça me saoulait. ça c'est normal, pas d'inquiétude. Alors, les congélos. Congélos, ça se vend pas. Papier peint. En vrai, le papier peint. Ah, si, en vrai, allez, on va faire papier peint. Alors, papier peint, contreplaqué, contreplaqué. Eh, mais contreplaqué, attends, il y en a ici. Alors, si je fais juste. Un papier peint. Ah, je peux même peut-être faire un approvisionnement direct. Ah, mais que cet entrepôt, c'est pas génial. Oh, c'est pas grave, ça évitera un peu de surtransport. On peut augmenter la taille du dépôt ici. Et je veux. Allez, deux qui transportent papier peint. Ok, c'est fait. Je vois du papier peint qui se vend, ça fait plaisir. Ok. On joue toujours assez lentement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Électronique, on n'a que les téléphones à manivelle, ça va disparaître. C'est assez lourd. Hein. En vrai, si je peux pas me positionner, c'est assez énervant.
faisait la musique sur le dernier entrepôt. On va faire ça. Sur cet entrepôt-là. Ah, je vais pas pouvoir distribuer beaucoup de gens. Hein. On va faire musique sur les deux. Donc ce sera cette gare-là, du coup. Ok. Alors, acier, ici, c'est métaux précieux. Ah ouais, on va pouvoir faire la musique ici. Et du cuir. Moustache. Et de quoi faire des guitares. Ça c'est sympa. Je m'attendais à faire le sport avant... avant la musique, je vais être honnête. 39 000. Des aciéries. Hop. Alors, pour l'approvisionnement du bois, ça va être une autre affaire, en revanche. Pas passer genre de là, là. Mais si, ah, mais pourquoi est-ce que je m'emmerde alors? Ah, j'aurais peut-être dû laisser les cirés. Oh, c'est pas grave, on est peut-être une de toute façon. Après tout, ne suis-je pas la plus grande des richesses de cette partie? Il y a toujours un mec gavé de pognon qui lâche une phrase comme ça. Alors, Siri, hop. Non, ça c'est coupé du bois fire, scierie, planche en bois. Tac, et on va faire un petit. Petite gare. On va faire, il y a déjà une grosse gare, c'est parfait. C'est vraiment pour l'approvisionnement que ça m'emmerde. Parce qu'on va faire un chemin bizarre. Je veux pas effacer, risquer d'effacer quoi que ce soit. Super, hein. Au niveau du fer. Oh non, sérieusement. Quoi? Mais je pouvais tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que ce pataquès? Mais what? Je suis obligé de faire le chemin? Oh, je suis pas content. Hein. On refait la méthode que je voulais faire de base. Ce qui est visiblement... Non, Miss Click! Oh là là, c'est n'importe quoi, là. Alors, tout refuser, sauf les planches en bois. Toi, tu refuses les planches en bois. Voilà, comme ça, on transporte d'un point A à un point B, sans faire un demi-tour du continent. Bon, bon, au final, on aurait pu le faire en camion, si j'avais su. Et réparu. Allez, go, planche. Déjà, on va vérifier si ça, déjà, ça tourne un minimum. Allez, c'est reparti pour Windows qui fait Nawak. Je sais pas pourquoi ça me fait ça en plus. C'est que quand je joue à ça, donc... Hamburger. Hamburger. Et nouvelle livraison. Enfin, nouvelle production, plutôt. Bah le... En plus ça tombe bien, c'est du pain, donc en fait, voilà, tant que c'est ici, pas de soucis. Livraison de hamburger. Hop. Non, ici c'est plus pour les vêtements, là c'est plus pour l'agroalimentaire ici. C'est bon, les instruments de musique sont livrés. Alors les instruments de musique, on avait dit que ici... Et ici, il fallait que ce soit la gare de droite, tout à fait, monseigneur. Ah, on va diviser du coup. Il y a que trois instruments pour le moment. Problème. Et je prends un train 6.
Je fais 2, 2, 2, 2, 2, 2. Je peux pas surcharger. L'idéal, ce serait que tout se vende à la même quantité. Parfait. Épis-outils. Les épis-outils d'ampleur nationale provoquaient une baisse considérable de la demande de viande. Les coûts de production de la viande, de la laine, du cuir, du lait et des œufs devraient augmenter massivement suite aux mesures protectionnistes ordonnées. Les experts estiment que les épis-outils seront maîtrisés dans les 4 prochaines années. J'ai jamais vu ça. C'est une maladie, les épis-outils ? Parce que là, j'avoue que je viens de m'apprendre un truc. Ça mérite une recherche Google, parce que... J'avoue que épis-outils, ça me dit rien du tout. C'est quoi, c'est maladie d'élevage en fait, épis-outils. Épidémie qui frappe les animaux. C'est la définition du mot. C'est pas le nom de la maladie. C'est un peu comme une pandémie, mais version... Version animale, parce qu'il y a le mot zoo dedans. Donc, ok. On apprend tous les jours, même avec un jeu qui est vieux de 20 ans. C'est social modernisé. Et il est même plus vieux. Il va être plus vieux que 20 ans bientôt. C'est de la folie. Hein. Composants électroniques. Radio ancienne. Ah non, 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 on continue. Non, non, les 10 millions de chiffres d'affaires, ça se fait easy. Hein. C'est un des trucs les plus simples. Et une petite save. Ça mange pas de pain. On est à combien là? 44 plus 46, nom de Dieu. Et j'ai pas fait la salle de spectacle. Oh, mais la ville continue de déborder là-bas en plus. Oh, ouais, on a bientôt le quatrième bâtiment. Alors, 44 et 56, il y a encore des boutiques que j'ai pas fait. Regarde-moi ça, la ville elle déborde de partout, ça pisse. Je pourrais commencer l'ameublement. Où me positionner maintenant? J'aimerais toucher l'entrepôt du fond pour l'ameublement, s'il vous plaît. Donc ce serait à une de ces trois gares. On va prendre celle de gauche, en bas à gauche. Ok, alors ameublement. Il y a déjà de l'acier, ah, ça va être compliqué parce que ça mange énormément de bois, l'ameublement. Bois. Non, en vrai, ça devrait le faire. C'est 5 produits de plus. Ah si, c'est bon, il y a la place. 3, 4, 5. En plus, il y a déjà du cuir, donc c'est vraiment une aubaine, quoi. Billet de jardin. Il y a 5 produits. Ouais, c'est... Il va falloir faire 5 trains de 1 ou alors sous-diviser parce que 5, j'avoue que c'est plutôt embêtant. Non, mais on va faire un check, vas-y, pas les couilles. Ça va blinder, mais bon, tant pis. Hein. Il dit qu'on ferait un peu ici aussi. Hop, 4. Chaise. Je sais pas pourquoi ils appellent ça des places assises. Ah, en anglais, c'est peut-être des sittings. Et c'est peut-être pour ça que la traduction, c'est places assises. Alors qu'un sitting, pour nous, c'est une chaise, en fait. Je pense que c'est là l'amalgame de la traduction. C'est ma théorie. Hein. Attention, ça... On va doubler le train. Parce que là, les planches partent instant.
T'es ciré en haut de la montagne, quoi. Faites plus de planches, ballon de football, piano. Oh non! Même pas si j'avais installé une boutique de sport, il me semble pas. Non. Faut que je touche les entrepôts du fond, j'ai pas le choix. Parce que là ça devient. Ça devient ric-rac là. On n'avait rien délimité. Ici, on veut faire sport. Ils disent que c'est la dépression, mais en vrai, ça va, hein, ça se vend bien. Je trouve ça quand même plus que respectable. Les pianos. Deux planches, un acier. Oh là là. J'avoue que les pianos, par contre, c'est assez compliqué. Donc, pour les jarter, je sais pas comment je vais le faire. Piano. Ça en manque un par mois en plus. Ok. C'est vraiment pour dire, on en fait et on en vend. Ça va, il y a toujours un surplus, on produit beaucoup trop pour ce qu'on vend. Merci à la dépression. Tac. Petite save. Réfrigérateur, moteur électrique. Crise pétrolière. Ah bah, disons que c'est de bonnes nouvelles sur bonnes nouvelles, hein, décidément. On est à combien? 56 magasins, 56 installations de loisirs. Comme boutique, il me reste librairie, équipement électronique. Joaillerie, magasin de café, c'est pas les plus simples. Hein. La librairie, ça va me bouffer. Ça va me bouffer. Tout ce qu'il y a bouffé. En bois. Déjà, rien que le papier peint, ça mange tout le contreplaqué. Ouais, non, librairie, là. Je me sens pas méga chaud. Électronique, c'est que des choses qui vont périmer. Donc pareil, on essaie de voir sur le long terme, hein, parce que là c'est dur en fait. Là ça se vend pas. Ouais, 2-1-3-2-2, ouais. On fait pas de l'import, genre fève de cacao, ce genre de choses. Ah mais il y a qu'un seul. Non, il n'y a pas qu'un seul port. Non, il y en a ici aussi. Alors, blé, coton, laine, verre, café, cacao. Ah ouais, c'est à l'autre bout du monde. Ouais, super, merci les gars. Qu'est-ce qu'il y a de cool ici? Acier, planche en bois, plastique. Il y a plein de trucs ici. Ouais, mais j'aime pas trop me construire sur les ports parce que dès que le produit d'importation change. Et eh ben t'es obligé de changer toute ta chaîne parce que X ou Y produit a disparu et du coup tu te retrouves complètement couillax. Train friction, aliments infantiles. Ah super, inondation. Ah, les aliments infantiles, je dis oui par contre. Elle est trop mignonne cette ville, hein, si on peut vraiment appeler ça une ville. Alors, aliments infantiles. Hein. On va vérifier si elle bug. Non. Je sais pas pourquoi. Tiens, d'ailleurs, j'ai jamais augmenté le prix des hamburgers et de ces choses-là. Ouais, tout ça, ça a disparu. J'ai jamais pensé à le faire. Cacahuètes grillées. Alors, beurre de cacahuètes, non, je l'ai pas fait. J'allais dire peut-être que j'ai fait pour cela, mais non. Non, non, trop de choses à gérer. Et du coup, voilà, c'est passé à la trappe. Pas de soucis. Alors, aliments infantiles, on a dit c'est bon.
Mettre un friction. Alors ça, ça je sais que je peux le faire parce qu'on a déjà les boutiques de jouets. Et déjà la CF1. Du coup c'est top. Est-ce qu'il y a juste à rajouter un petit train? Alors, ce sera ici par contre. Est-ce que ça touche tout le secteur du jouet? Hop. H-Dor, la bonne situation économique durable a un effet positif sur la demande pour l'ensemble des produits. On peut s'attendre à une augmentation de la demande dans tous les secteurs au cours des prochaines années. C'est le contraire de la dépression. Et tiens, en parlant de dépression et de points de luxe, let's go pour ma quatrième maison. On avait été incapable d'aller plus loin que là. Au moment où ça nous était arrivé, ça par contre. On va essayer de bloquer sur le déco là. Ah, on est à combien? 56 magasins, 65 installations de loisirs. On est à 70 000. 70 000 habitants. Et on reste encore le café à faire. Bon, laisse tomber, le café va falloir faire venir du bout du monde, quoi. Ah, panne de véhicule. Alors là, ça mérite une pause, par contre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un léger embouteillage. On veut le cloner, mais... Qu'est-ce qui a provoqué Ils arrêtent pas de se croiser, c'est bizarre en fait. On doit faire des chemins trop longs, il y en a un qui a rendu la main. Téléviseur dans la blanc, tondeuse manuelle. Ok, il y a plein de trains qui tombent en panne, je ne sais pas pourquoi. Tout est en réparation, il doit faire des chemins trop, trop longs. Et avec beaucoup d'arrêts, donc ça doit les foutre en panne, c'est ma théorie. On a 400... 500 pardon, c'est combien le prochain? 550. J'aimerais vraiment booster, booster la ville. Préparer une joaillerie, un magasin de café. Non, on refuse tout sauf café, thé et les bijoux ici. Si on va faire une gare spécifique pour ça. Merde, j'ai décalé d'une case à gauche. C'était pas pris en compte. Alors, on a les voies électrifiées. Alors ici, il y a de l'or, donc déjà, coucou. Voilà, hein, donc c'est gentil, hein, je ne pense pas prendre trop de production, ça c'est encore de l'investissement spéculatif. Un joaillerie, un et électrique. Alors, le café, il va falloir chercher à l'autre bout du monde, sérieux. Hein. Café et sachet de thé, c'est la misère. Hein. C'est vraiment hyper loin. Hein. Ça va me coûter une blinde, mais vas-y, let's go, je m'en fous. Alors, faudrait que ça touche la gare en bas à gauche. Je vais vérifier que mon petit bout de rail électrifié il est où il faut. Parfait. Alors, il va falloir que on fasse genre un quai ici électrifié avec réparation. Non, ça c'est un misclick fire. Fasse un mini arrêt juste pour lâcher les produits comme ça et qui lâche
thé café. Comme ça, on fait genre deux trains électriques qui là-bas vont acheter café, café, tété. Ils viennent ici, ils chargent café, café transformé, hein. Thé. Ils vont là-bas, ils déchargent là-bas et ils recommencent. On va vérifier s'ils font bon trajet. On les achète. Tac. Ils déposent ici, ils attendent la transfo. Boum, 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 boum. Ils vont tout là-bas. Et normalement, miracle, c'est vendu. C'est génial. C'est parfait. Pièces de jeu et des jeux de société. Batterie désormais disponible pour l'export. Hein. Alors par contre, juste deux, ça suffira pas visiblement. Il en faudrait genre deux de plus. Parce que le trajet est genre méga long. Là, ça va, encore il n'y a pas trop de monde. On a les routes en asphalte qui sont en train d'arriver. On a perdu des points de luxe. Aïe aïe aïe. Panne de véhicules, ouais, tu m'étonnes. En croissance des bénéfices, c'est normal. J'ai rajouté des choses, mais c'est des choses qui coûtent des sous. Bon, il n'y a plus qu'à attendre que ça évolue maintenant tout ça. Mobilier de bureau, instrument en bois. Ça tombe bien. On a les deux au même endroit. Par contre, niveau place. Alors, il y a de l'acier et du cuir. Ouais, pas de planche. Eh bien, si, mais on ne pourra plus jamais toucher, par contre, après. Mobilier et... Ah, c'est de l'acier fin. Ah, bah non. Hop. Lieu de bureau. Alors, toi, t'allais où ? En bas à gauche, d'accord. C'est parti les amis. Ameublement, tac. Ça part très très bien en plus. Il y a des buildings qui sont en train de se construire. Hein. Je vois des améliorations. Je trouve ça fascinant que le... Usine moins 24, waouh! Ah oui, mais ils se sont grave développés ici. Bon. Déplacer la papeterie. Et le papier peint. Ah ouais, non, mais tout ça là, ça s'est construit durant les 5 dernières années. Hop. C'est bon, il n'y a plus de malus. Il n'y a plus de malus pour le moment. De toute façon, ils vont trouver un moyen de construire ailleurs, hein, je les connais. Ils vont se réimplanter. Ok les amis, eh bien, on va faire une petite save. Et puis je vais vous dire à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ouais, là, je suis fatigué. Et puis je vous dis ciao à la prochaine.